Oui, pouvez-vous passer dans mon bureau? C'est pour le même genre de lettre qu'hier? Vous verrez bien. C'est ça, je verrai bien. Elle est vraiment dans cette fille. Intéressante. Eh bien maintenant, je vais encore être plus malin qu'elle. Hier, j'agis comme un gamin. Mais maintenant, on verra qui va marquer un point. Un. Oui, ce n'est pas une lettre. C'est pourquoi? C'est pour cela. Nous devons aller chez une cliente, régler les comptes. Une affaire très compliquée. Vous savez vous servir de machine à calculer? Oui. Bien. Habillez-vous, nous partons dans 5 minutes. Ordre du patron. Mais. Ordre du patron. Allez, dépêchez-vous. Votre machine. Je pense que je serai sortie à 6 heures. Il n'est pas question que je fasse des heures supplémentaires. Quel est le contraire? De toute manière, j'ai un rendez-vous à 6 heures. Un dîner. Allez, à tout de suite. C'est dans la poche. Ma chère Caroline, tes minutes sont comptées. Allô, Michel? Si le patron demande, vous dites que je suis parti régulariser une affaire chez une cliente. Et comme il y a beaucoup de travail, j'ai pris avec moi la nouvelle secrétaire. À demain. Ciao. Bon, cette fois, il va falloir que j'y aille avec du tact, de la diplomatie, comme ça me connaît. Je crois que nous arriverons bien à trouver un terrain d'entente. Il le faut bien. J'étais persuadée d'être trompée dans un geek. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est de ma peau. Mais j'espère que mon invitation tient toujours. D'accord. Si on allait déjeuner avant d'aller au travail? Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée. Je peux choisir? Comme vous voudrez. N'importe quoi? C'est-à-dire? Eh bien, un déjeuner comme vous n'en avez certainement jamais fait.